J'ai commencé à pratiquer la savate boxe française en 2010. J'avais 11 ans et demi, 12 ans. Ma meilleure amie m'a dit, ouais, ce serait bien qu'on fasse un sport ensemble, on se voit plus, on n'est plus dans la même classe, faudrait qu'on repartage des moments. Et elle a trouvé la savate boxe française, j'ai dit, vas-y, ok, allez, quoi, on a kiffé toutes les deux. Les motivations sont venues plutôt naturellement. J'adorais aller voir les combats Final France Elite A à Coubertin avec mon club. Enfin, j'avais les étoiles plein les yeux. Je me dis, ouais, c'est ça le plus haut niveau dans notre discipline, mais c'est juste un truc de ouf. Donc, on a envie de suivre ce chemin-là. J'ai fait 4 ans d'assaut à peu près. J'avais beaucoup d'avertissements pour coups un peu trop fort. Donc ouais, c'est venu naturellement et quand j'ai essayé, bah je me suis dit ok, c'est ça qui me convient en fait. Bah forcément, ma plus grande fierté, c'est mon dernier titre, championne du monde de boxe française, obtenu à Perpignan en novembre 2019. C'est vraiment le Saint Graal, l'aboutissement d'un long parcours semé d'embûches. C'est aussi la récompense de tout mon entourage. Donc c'est un titre qui est vraiment partagé. Certes, c'est moi qui ai fait le taf aussi. Je ne pensais pas un jour pouvoir obtenir ce titre en avançant dans sa saison, en avançant dans ses combats, en voyant aussi ses progressions et en gagnant un peu plus d'assurance, qu'on se dit mais en fait, bah fonce, tu peux l'obtenir quoi.